à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay façon FPS sur GTA 5 sur Old Gen. Donc on est bien là, moi je me trouve sur PS3, mais ce genre de mode est faisable aussi sur Xbox si la console est bien sûr modifiée. Donc je fais cette vidéo, c'est surtout pour un peu lancer le sujet ou pour parler du sujet, pourquoi nous sur Old Gen, enfin tous ceux qui sont sur la version Old Gen PS3, Xbox 360, n'auraient pas le droit à une vue à la première personne, même si, comme vous pouvez le constater graphiquement, il y aura des petites lacunes par rapport à la version Next Gen. Forcément les détails du tableau de bord et tout ça ne sont pas là. Mais c'est pas, je pense que la grande majorité des gens, on leur proposerait est-ce que vous voulez une vue à la première personne sur Old Gen, quitte à avoir tout en gardant des graphismes un peu moyens dans les intérieurs de véhicules. Je pense que tout le monde serait d'accord, il n'y aurait pas de souci. Donc là avec le mode, il y a quelques petits défauts graphiques, surtout au niveau de la tête, que vous pourrez constater. Donc je vous ai montré le plus de trucs qui, enfin un maximum de trucs qui pouvaient coller bien. J'ai évité les trucs qui collaient pas trop, c'est à dire par exemple les super sportives. Quand on est au volant d'une super sportive avec cette vue là, donc sur Old Gen, et eh bien on voit, c'est pas tout à fait prévu pour, donc on voit pas du tout la route, presque pas, donc c'est pas super bien. La plupart des motos, on voit pas du tout le guidon là. Sur les deux motos que je vais vous montrer, vous allez pouvoir constater le guidon, mais sur les autres on ne le voit pas. Donc il y aurait plein de petits détails à retoucher, enfin quelques petits détails à retoucher pour que ça fonctionne bien, mais franchement il n'y aurait pas énormément de travail. Ça pourrait être largement fait, peut-être qu'ils nous le réservent dans quelques temps, et ça serait vraiment une bonne nouvelle, je pense, pour une bonne partie des gens. Moi c'est pas ma vue préférée, loin de là, mais ça peut toujours être marrant de triper avec, c'est toujours une option en plus, et on va jamais cracher sur une petite option en plus. Donc voilà, en gros, je vous ai donné mon point de vue. Je trouve que c'est dommage que Rockstar le mette sur Next Gen et pas sur Old Gen, sachant que c'est faisable, la preuve en vidéo. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse regarder la fin de la vidéo sur une petite musique de fond, et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous! Ready, aim, fire!